L'équipe Volleyball Island Girls, c'est l'équipe qui comprend les joueurs vétérans de volleyball. Il fait beaucoup de succès à l'année. Les temps de faire double, remporte Ligue et Knockout, deuxième division. Le côté hommes, c'est ça, de l'équipe en action qui est meilleure dans la deuxième division. Tout de même, c'est l'équipe Outsiders là qui finit champion Ligue, deuxième division, tandis qu'il a dit qu'il remporte Knockout. Traditionnellement, pareil dans n'importe quel sport, les deux champions de deuxième division, ils devraient être montés de la première division et les deux derniers de la première division, ils descendent. Mais vu que ça l'en est, une compétition volleyball pas déroule pareil d'habitude à cause de préparation pour jouer des îles et aussi sur l'Afrique. Alors, fédération, tu prends décision pour sans autre système, promotion et démotion. Et toute l'équipe, tu tombes d'accord avec ça. Décision, nous prenons un bon pilier temps, Andy, nous prenons l'idée depuis un peu commencement de saison, knowing que du palais des sports pour renouveler l'activité qui nous tient avec Jeux des Îles. Nous connaissons à l'époque, nous faisons 6 mètres de compétition en première division pour un leg. Alors nous avons décidé de créer tout le club pour les autres, pour dire pour ça l'année, pour n'a pas automatique promotion. Ça veut dire que nous pouvons imaginer pour dire 7e qui sortit premier de la deuxième division, forme exemple, il y avait joué avec ça, qui sortit dernier de la one leg en l'air. Et ça qui bat, ça va monter. Mais quelque chose de pas comme ça, ça l'année. À cause du dernier coup, l'état dans la compétition est fini, nous finissons la compétition en Afrique. Banque Libre, ensemble avec la fédération, un comité exécutif, vient décider pour dire nous pouvons abolir la Ligue première division. Alors, nous faisons une Super Cup, nous faisons des top de la Coupe. Et ça détient qu'ils sont premiers de la deuxième division, Outsiders Hommes et Island Girls pour Bonne Madame. Les autres ne disent pas envie de monter. Alors, là, le problème est fini. Nous restons avec Saban Team qui tient la première division, nous restons avec Saban deuxième et nous n'avons pas continué l'année comme ça. Nous n'avons pas recommencé l'année comme ça même. Ça veut dire que pour la saison 2012, tout le monde l'équipe pour rester dans notre division respective. Tout de même, M. Rong dit que pour l'année prochaine, nous peut discuter les deux trois nouveaux éléments de la compétition. Et il est tout de même qui s'écarte une mise qui pouvait saison, et bien sûr, pendant cette ligue, et dans la compétition knockout. Nous avons une négociation avec un des partenaires pour garder, pour nous promouvoir volleyball, beach volleyball un peu plus, et après pour nous faire un recrutement nécessaire, plus bonheur, pour être façon pour nous capables d'embellir l'équipe nationale, nous de l'équipe nationale qui peut commencer à vieillir. Le côté saison 2011, ça qui est clair, c'est qu'ils ont des îles, un petit point fort, pour tous les deux équipes filles et garçons qui finissent avec médaille d'or. Après Cécile, tu aussi participes dans Jeux d'Afrique. Mais le côté local, après Jeux des Îles, niveau, tu descends beaucoup. Le temps de Jeux des Îles est fini et marque l'intérêt dans Vanzoy. Par contre, si tu es une telle fatigue, et bande deuxième division, tu continues à jouer, même pas avec sa rigueur, nous t'avons content. Mais nevertheless, toute bonne compétition que nous organisons, bonne team est venue participer, même nous n'avons pas ligue, nous sommes capables de gagner, par exemple, une voie finale SDF Cup. Tous les deux femmes examinent fini le 5-7. Et alors, si vous pouvez vous dire, après ça, l'étant dormant un petit peu, le finition l'année, ben, c'est un petit pick-up. Mais nous voir aussi pour dire, les itinéraires pour vous reposer. M. Wong, il nous aussi dit qu'ils ont pu commencer un exercice avec différents groupes, incluant les médias, pour essayer de réamener les supporters pour le match volleyball.